Eh bien coucou YouTube, c'est Mifa24, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, bienvenue les amis pour la suite de cette aventure sur le jeu de Palworld. On va tout simplement continuer la suite de cette aventure, c'est parti, let's go. J'espère que tout est bien paramétré. Attendez, tac, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a une différence? Attendez, on regarde rapidement. Bien sûr que oui. Il y a une sacrée différence. Ok, it's good. Normalement tout est bien paramétré, il ne devrait pas avoir de soucis. Et c'est parti, let's go. On va, eh bien, tout simplement continuer la suite de cette aventure sur le jeu de Palworld, les amis. Et donc, on s'était arrêté là-dessus, où je commençais un petit peu à farmer mes pales pour qu'ils soient un peu plus haut au level, pour pouvoir ensuite, eh bien, capturer... pas capturer, je dois, si j'ai pas de bêtises, affronter la tour de l'unité de recherche sur les... Bon, je fais un topo rapide. En gros, là, on doit monter notre équipe de pales. Notamment de type dragon, pour pouvoir affronter du coup, eh bien, la tour de l'unité de recherche sur les gènes. En même temps, rien ne nous empêche d'avancer un petit chouïa en faisant certaines choses, comme par exemple faire les selles. Parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai toujours pas fait les selles sur certaines montures, comme par exemple l'Astégon. Pourquoi ne pas monter sur lui directement? Ça pourrait être pas mal en vrai de vrai pour avoir une monture volante. Je sais pas ce que vous en pensez. Monter en XP, soit je capture, soit j'affronte, eh bien... des pales très haut level. Je pense qu'en vrai de vrai, si je pouvais capturer, parce qu'attendez, dans mon palpédia, ça se trouve où déjà? Où tu te trouves, mon petit coquin? Ah, il est ici, le Yakumo. J'en ai 11 au lieu d'avoir 12. Il faudrait que j'en capture un en supplément pour pouvoir avoir le petit bonus de la famille, et comme ça je l'aurais capturé 12 sur 12. Normalement il se trouve vers ici. Ah, regardez ce qu'il y a en face de moi là-bas. Un Yakumo. Ça tombe bien, c'est ce qu'il me faut. Là par contre on va peut-être passer sur celui-là. Parce que sinon... il va me faire un carnage mon autre pâle. Ok. Ah, il me l'a mis KO. C'est une blague. Il me l'a détruit quoi. Bien joué. Alors là ce que je peux faire également maintenant, c'est que j'ai mis l'anneau de manipulation, pour ceux qui ne savent pas et ceux qui ont oublié peut-être. Mais l'anneau de manipulation, quand je mets des dégâts moi-même, eh bien je ne... ça m'empêche de tuer les pales en question qui sont en face de moi. Donc c'est un moyen très facile de pouvoir les capturer sans les tuer. Voilà, donc là tu vois, là j'arrête. Là je vais m'approcher. Et là vous voyez maintenant, regardez bien. Voilà. Là... littéralement, je ne peux pas le tuer. Il perd plus de PV ou quoi que ce soit. Et ça, c'est parfait. On va descendre un chouïa, le son du jeu. Sinon, ça va vous défoncer les oreilles. Je suis vraiment navré. Donc là, on est à 12 sur 12. Et il a également le sang de dragon. Donc, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une compétence. Les dégâts de type dragon augmentent de 10%. Donc en vrai de vrai, ça, je me suis dit la dernière fois, pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce que effectivement, il y a des pales comme ça où on peut éventuellement eh bien, les avoir dans notre équipe pour mettre un certain boost. Parfait ça, bien joué. En attendant, ça m'empêche pas de farmer avec mon petit Relaxorus. Il est quand même niveau 45 mon Relaxorus, donc en vrai de vrai ça passe. Hein. Mais ouais, bon, ça m'embête un petit peu quand même. Ça c'est du pétrole ça. Je suis en train de me dire dans ma tête pourquoi j'irais pas également farmer du pétrole. C'est vrai que ça pourrait être un objectif intéressant. Tant que j'y suis, je me suis dit dans ma tête pourquoi j'irais pas farmer également eh bien, les plantes schémas des armes. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, en gros, si je comprends bien dans le jeu, peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas regardé de vidéos, etc., de tutoriels par rapport à ça, parce que j'ai pas envie de me spoil, etc. Mais j'ai remarqué que lorsque j'affrontais certains pales, c'est-à-dire des pales légendaires, eh bien ça lâchait des schémas d'armes. Sauf que c'est aléatoire, donc c'est-à-dire qu'en gros il y a un taux de chance pour l'obtenir. Et je me suis dit pourquoi j'irais pas les farmer pour récupérer justement eh bien, ces plans de schémas qui éventuellement pourraient être intéressants. C'est vrai que ça pourrait être vraiment pas mal. Ensuite, je suis en train de penser également dans les plans, plutôt les points de technologie.
nous avons donc nos fameuses armures. Donc là, on a l'armure en plastacier. Une armure dernier cri. Ses propriétés défensives sont exceptionnelles. Une chaîne de production 2 et Rocky pour en fabriquer. En vrai de vrai, je vais le débloquer. On a également l'armure en aluminium chauffante. Une armure en aluminium améliorée, très utile dans les régions froides. Une chaîne de production de niveau 2 et Rocky pour en fabriquer. Ça peut être pas mal, mais pour l'instant, je vais garder mes points. Ensuite là, donc on a la fameuse selle pour Astégon. Donc à posséder pour monter l'Astégon. Donc il faut du cuir, des lingots de métal raffinés, des lingots de métal et des éclats de palladium. Donc ça, je vais le débloquer. Je vais en avoir besoin. Ensuite, ça c'est le lance-missile pour le Relaxorus Lux. Le lance-missile, parce que effectivement, si je dis pas de bêtises, d'ailleurs je l'ai sur moi. Il a la compétence faite au missile. Peut être utilisé comme monture pour se déplacer. Permet l'utilisation du tir rapide au lance-missile lorsqu'il est monté. Donc il a le lance-missile pour le Relaxorus Lux Rocky à fabriquer sur son établi d'équipement pour PAL. Je me dis pourquoi pas également le débloquer. Ça pourrait être vraiment très intéressant à voir ce que ça donne. Donc, je vais revenir en haut. Plutôt non, attendez. Je me trompe pas, mais là, il m'a dit que... mince, je crois que ça se fabriquait également au même endroit, hein, il me semble. Hein. On va regarder ça tout de suite. Je crois que c'est le même endroit que le... Déjà, attendez. Non, c'est bon, pas besoin de le réparer. Donc là, j'ai la selle pour le Astégon. D'ailleurs, une selle légendaire. Donc ça, c'est parfait. On va lancer la production. Et c'est parti. Les Anubis, logiquement, ne vont pas tarder à arriver pour m'aider. Mais je crois qu'il n'y en a que un qui peut m'aider. Hein. On va faire ça comme ça pour l'instant. Ensuite, je pense qu'on va faire le lance-missile pour le Relaxorus. Ça pourrait être vraiment pas mal. À tester, voir ce que ça donne un petit peu, parce que je connais pas trop, honnêtement. J'ai pas encore fait ce genre de choses. Parfait, donc la selle, c'est bon. Elle est faite. Ensuite, le lance-missile pour le Relaxorus Lux. D'ailleurs, pareil, encore une nouvelle fois, c'est en légendaire. Donc ça, c'est parfait. On va également le fabriquer. Parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Remarque, je pourrais faire passer la nuit. Bougez pas, on va faire passer la nuit. Ah, et les murs de ma base sont toutes détruites. Pourquoi? Parce qu'elles sont hors zone. Aïe, aïe, aïe. Là déjà, on va être bien avec le la petite selle de... De l'Astégon, je pense qu'en vrai d'avril, il est beaucoup mieux que mon ancienne monture volante que j'avais jusqu'à présent. Je sais pas si c'est bien le lance-missile, hein. J'ai jamais testé, comme je vous ai dit, je me spoil pas ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas. Mais on va bien voir. Les petits wampos, d'ailleurs Botan, qui fait bien le taf, je vous rappelle qu'ils sont excellents pour ce qu'il s'agit de certaines tâches. Et là, les tâches que j'ai attribuées du coup au... Wampo Botan, c'est la tâche pour le transport, c'est-à-dire de ramasser les objets, etc. et de les transbaser directement dans les stockages. Donc ça, honnêtement, c'est vraiment le top du top. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre les ressources que j'ai sur moi, eh bien, dans les stockages. Tac, là j'ai du circuit. Je sais pas où je le mets, le circuit. C'était où, déjà? Non, c'est pas ici. Je crois que c'était ici, non? Ouais, c'était ici. Ok, et j'ai également des graines de blé. Les graines de blé, il me semble que je le mettais dans un truc de... Voilà, de refroidissement ici même. Ok, parfait. Là, j'ai un petit coffre. Je vais l'ouvrir. Des pièces manuelles de formation et lame de petit pal. Ok. Tac. Manuel de formation, c'est ici. Je suis désolé hein, si je bégaye un petit peu ou quoi que ce soit, mais j'ai mal à la tête. Mais bon, ça va le faire tranquillement. Vous inquiétez pas. Oula, mais attendez, mais là... Oula, non, mais attendez. Oh, mais il est lent. Il est super lent en fait. Il est vachement lent même.
Non mais attends, mais il est encore plus lent que... Non, 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 mais en fait, il est vachement lent. Normalement, il doit être par là. Oui, il doit être par là. Par contre, on l'avait tué précédemment, mais est-ce que il a pu... Oui, c'est bon. Respawn, mais c'est bon. Il a bien respawn. On va le tuer, hein. Oh non, j'ai lancé à côté, les gars. Oh la cata. Joué. On va tourner un petit peu. Attends qu'il régène. En fait, c'est pas la hitbox, je dis n'importe quoi. En fait, c'est le fait que mon... Mon Astégon doit régène ses attaques. C'est normal que ça met du temps des fois qu'il est coincé. Ok. Oh, il s'est pris un petit truc, vous avez vu? Il avait un petit effet sur lui. Nice. Est-ce que je peux monter sur mes montures lorsqu'on affronte un boss dans la tour des ligues, etc. Je crois que oui, hein. J'ai lancé un petit peu à côté, j'ai l'impression. Ah, il a contré mon attaque. Bien joué. Allez, ça, s'il est pris, 200 de dégâts. Ça fait plaisir. Là, de face comme ça au contact, ça fait beaucoup de dégâts. Ah là, il l'a senti passer, hein. Ah, il a senti, hein. Ok. Là, je suis en contact, forcément, c'est un peu compliqué d'esquiver les attaques. Surtout que, Astégon est vachement long, quoi. Genre, en termes de rapidité en vol, il est super lent. Vous voyez ce que je veux dire? Et on met beaucoup de temps à faire ceci, donc c'est long, très long. Donc il est lent et long, plus de ça, à faire des moves. Ok. I do it. Peut-être prendre un Doliprane après, les amis. Je vous cache pas, je commence à avoir mal à la tête. Mais c'est moi qui brûle, là. Je vais mourir. Ah oui, je vais mourir. C'est moi qui brûle. J'avais pas compris, je pensais qu'au début c'était le soleil qui me faisait ça. Parce qu'on était dans le désert, mais pas du tout. C'était juste moi qui était en train de littéralement brûler, quoi. Ok, ok, ça fait plaisir. Là, je pense que je vais sauter de mon pal. J'irai beaucoup plus vite. Petite roulade, petite roulade, petite roulade. Récupérer tout. Celle-ci qu'il me faut. Tac, tac, tac. On va remettre correctement tout ceci. Tac. Tac. Ça, il n'y en a pas besoin. Celui-là, on peut le mettre là. Tac, 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 tac. La nourriture ici. Et décidément, des fois, je le glisse dans le truc, ça veut pas le mettre. Hein. Comme si ça l'empêchait, c'est trop bizarre. Allô, merci. Ça, on va le mettre ici, je pense. Ok. Du coup, j'imagine que... Ah ben non, c'est bon, il est là. Eh bien, vous savez quoi? Ok, touché. Allez, va l'affronter. Je te regarde. Cette fois-ci, j'ai pas envie de prendre les dégâts. Ce serait vraiment dommage. Par contre, les gars, je peux vraiment pas switch les pales dans mon équipe. Genre, les glisser, les mettre ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne peux pas. C'est trop bizarre. Je me demande si c'est pas bugué depuis la mise à jour. Hein. Parce que dans mes souvenirs, on pouvait bien switcher les places de nos pales dans notre équipe. Je suis pas fou quand même. Comment cela se fait-il qu'on ne peut pas? C'est quoi cette connerie? Cette mascarade? C'est ça qu'il faut que je fasse gaffe. Ok, là il vient de me relancer une attaque comme ça, je vais peut-être m'écarter.
Ok. Pour l'instant, il me focus, hein. Il y a quand même de sacrés dégâts à la Stégon. C'est incroyable. Attention à ça. Chaque fois, ça fait la même. Ok. Par contre, le Suzaku là, en termes de rapidité à chaque régène de ses attaques, c'est-à-dire quand il enchaîne ses attaques, il est ultra rapide. Hein. Je trouve qu'il il lance très vite ses attaques. Hein. Bien joué ça. Ok, parfait. Il faut continuer comme ça. Allez, Astégon, do it. Astégon, mine de rien, il est super fort. Hein. Il enchaîne très bien ses attaques. Ses attaques sont quand même assez assez importantes en termes de dégâts. Ah, franchement, je suis pas déçu de ce pal là. Je suis bien content de l'avoir capturé. Pour l'instant, je peux esquiver sans forcément utiliser ma stam. Là, par contre, si. Ok, ça a annulé son attaque. Bien joué. Bien joué. Ça, c'est parfait, ça, les gars. Ça, ça fait plaisir. Allez, allez. Il va encore me focus. Ouais, il va me focus. En fait, quand il s'approche de moi, c'est surtout pour lancer cette attaque-là, je l'ai remarqué. Est-ce qu'il faut que ça soit absolument moi qui le tue pour avoir plus de chances d'avoir un schéma? Ou est-ce qu'il faut que ça soit mon pal? Ça, par contre, je ne sais pas du tout. J'ai pas trop fait attention à ce genre de détails. Je sais que des fois, quand je le tuais, mais je sais pas si c'était moi ou mon pal, mais ça me donnait un schéma. Mais comme j'ai dit, je pense que c'est un taux de chance, quoi. Bien joué, il a réussi à le tuer. Parfait. Non, c'est pas ça que je voulais faire, reviens. Ah, des organes, pièces d'une ancienne civilisation, et malheureusement, des ailes précieuses. Mais c'est pas ce que je recherche. Bon, hey, je vous le dis entre vous et moi, je pense pas pouvoir le mettre KO. Non, mais je préfère être honnête avec vous. Je vais pas vous dire, ouais, les gars, je vais le mettre KO. Non, je pense qu'en vrai de vrai, je pense que ce n'est pas possible. Mais on va quand même tester. On va tester. Allez, c'est parti. J'ai tout mis à côté. C'est génial, non? Incroyable. Ah, il faut vraiment que je sois au corps à corps. Oh, il m'a touché. Non, les autres se mêlent du... Ah non, ça c'est pas cool. Ça c'est vraiment pas cool. Ça c'est vraiment pas cool du tout même. Aïe, aïe, aïe. Non! Ah bah alors là, ça a pas duré longtemps. Ah bah alors là... Oh, les dégâts qu'il met. Ok. Wow. Non mais c'est monstrueux là. Ouh. Attends. Laisse-les s'affronter là. Je vais essayer d'en profiter, mon mode sneaky là. Oula. Doucement. Ok. Ok. Tranquille. Ah, ne vous mettez pas tous sur moi s'il vous plaît. Laissez-moi vivre au moins 2 secondes. Et donc là il a mis KO quelques pales, ça c'est parfait. Il est monstrueux, Monasting Terra là. Il est monstrueux en vrai de vrai. Incroyable. Il rigole zéro. Après j'ai quoi? J'ai Soline et Il y a Astégon encore qui est disponible. En vrai de vrai, il y a peut-être un truc à faire. Pour l'instant, je fais exprès d'encaisser un petit peu les dégâts. Je me dis que ça peut peut-être me laisser une chance de le mettre KO. Peut-être. Peut-être que je me trompe aussi.
Oh non, mais c'est dingue. Je me prends tous les pales là. Ok. Ok. L'autre il s'en va direct. Hein. Il s'est pris les deux attaques de chaque pale. Il s'est dit c'est bon. C'est fini pour moi. Je m'en vais. T'as bien raison. Ok. Ok. Bah, y a pas besoin de faire de grandes esquives en vrai de vrai. Bah ça on est plutôt pas mal. En termes de dégâts on a enlevé quand même pas mal d'HP sur le pal en question. Ce qui me dérange un petit peu c'est qu'il a mis KO mon pal que je voulais tester sur lui justement tu vois. Je suis un petit peu dégueu là. En même temps j'ai tout loupé les attaques du lance-missile. Je suis un peu déçu. J'ai tout mis à côté quoi. Il y a quand même différentes attaques. J'aime bien. Bon, je vous rappelle qu'on pourra pas le capturer. Je vais quand même tester, mais en vrai de vrai, je crois qu'on peut pas le capturer. On a Stegon qui résiste plutôt bien. En termes de dégâts, ce qu'il a pris, il est toujours là. Il est quand même monstrueux, Stegon. Par contre, il met pas beaucoup de dégâts avec son. Ok, là, si, c'est pas mal. Bien joué. J'ai pas fait attention. J'étais en train de regarder un petit peu les HP de mon pal. En fait le problème sur ce jeu Palworld aussi c'est les fenêtres des tutoriels etc. Je crois qu'on peut pas les réduire. Bien joué ça. En fait la HUD ouais clairement on peut pas le réduire. C'est vraiment dommage. J'ai pris du poison. Ok. Ouais. Il y a un petit coffre là, on va le ramasser. Manuel de formation, des pièces d'or et des clés en or. Plutôt une clé en or. Il se passe un truc très étrange là. Oh les dégâts qu'il m'a mis. Oh les dégâts que j'ai pris. C'est assez monstrueux en vrai. Il faut que j'esquive. Si j'esquive pas les gars, je suis vraiment dans la mouise. Allez je compte sur toi. Je prends vraiment pas de risque, je prends assez de distance avec ce pal là. Parce que je me dis que s'il fait un saut sur moi... Je pense surtout que c'est le poison qui m'a fait mal et le jump qu'il a fait sur moi après. Ça m'a pas laissé beaucoup de chance de... Il est bien joué. Il fait vraiment mal. Hein. Bien joué. Ça va, elle encaisse quand même bien. Parce que mine de rien, il enchaîne avec ses attaques. Wouah! Ok. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il y a d'autres pales qui se mêlent au combat. Je sais pas que c'est un petit peu chiant. Là, ça, voilà, ça c'est parfait, ça, c'est ce que je voulais. Qui s'affrontent entre eux, tu vois. Mais malheureusement, ça dure pas longtemps. Je sais pas pourquoi il est. Ok. Il se tue pas entre eux, bizarrement. En fait, il s'attaque, mais genre après, il me focus moi, tu vois, genre absolument. Fasse attention parce que si lui il me touche par contre ça va faire mal. Voilà c'est ça que j'avais peur. Bien joué. Il y a le corps qui me gêne. Il
Bien joué ça. Oh, il a tenté. Je m'en doutais un petit peu, quand je l'ai vu s'approcher de moi, je me suis dit, il va tenter une attaque pour essayer de me stun ou un truc comme ça, tu vois. Ça, on esquive plutôt bien, ça va. Je vais quand même tenter de le capturer, les amis. Honnêtement, je vais tenter quand même. J'ai des sphères sur moi, mais j'y crois zéro. Je pense que je vais devoir lancer beaucoup de sphères légendaires et ça m'étonnerait que j'en ai assez. Ok. Je vois, hein, il essaye de me stun, il essaye de me focus un peu. C'est pour ça que j'ai intérêt de faire attention. Le jump? Non, c'est bon. Il va pas tarder à me jump dessus, je pense. Je le vois là. Ok, ça va, c'est sur mon pal, ok. Ok. Il est assez énervé en vrai, ce pal là. De ça. Je l'ai vu qu'il essaye de me coller. Quand il colle, en général, c'est pour lancer une attaque de type proche. Ça va, il se loupe. Bien joué, ça. Très très bien joué, même. Ok, donc là, je vais laisser régène. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que je peux monter sur Estegon. Donc je me dis dans ma tête, je vais peut-être monter sur Estegon après, quand il aura assez d'HP, pour mettre un max de dégâts. Et vu que j'ai l'anneau de manipulation, eh bien, je vais pouvoir laisser au moins un HP sur le Monasting Terra et derrière avoir plus de chances de taux de réussite pour pouvoir le capturer. Même si je vous le dis entre vous et moi, je ne pense pas pouvoir le capturer avec des sphères légendaires. À part peut-être en balancier une cinquantaine, je vois pas trop comment faire. Normalement là c'est la sphère ultime. Il met de sacrés dégâts le Rolaxorus aussi. Oh, 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 oh. Par contre il prend cher aussi. Il prend cher aussi, hein. On va pas se mentir, il prend cher. Ok. Bien tenté. Je suis pas né de la dernière pluie, mon garçon. Ouh. Je pense que je vais devoir le tuer, malheureusement. Je pense pas que je puisse le capturer, je vais attendre encore un peu. Ok. Faut pas que je me loupe. Non. Il me l'a mis KO. Oh, oh le pire timing. Oh non, je m'en doutais. Faut pas que je me loupe, en plus je l'ai dit. Hein. Bon, il va peut-être falloir que j'essaye au corps à corps face à lui. Pour mettre un peu de dégâts. Il lui reste 52 HP. Là j'ai aucun pal sur qui je pourrais monter pour mettre des dégâts. Ouais, je mets que un dégât. Ça veut dire qu'il va falloir que je tape au moins 49 fois pour. Oh, c'est une dinguerie. Parce que là, clairement, on est d'accord. Là, je peux pas. Non, je peux pas. Je sais pas ce qu'il va faire comme attaque. Ok, si, j'aurais dû le laisser. Attendez. Il me l'a mis KO. Oh, je rêve. Huh. 6 HP. Ça va, j'ai géré, les gars. J'ai géré, ça va. Wouh! I do it. J'ai plus de balles, hein. Ah, attendez! Si, si, regardez. Les balles que j'avais ramassées tout à l'heure. Ah, oh, je pourrais jamais le capturer. Non. Mais non. C'est une blague? Du premier coup comme ça? Mais non. Abusé de ouf.
Oh, je suis choqué. Je me suis dit, il va falloir que je lance au moins, je sais pas, 15 sphères légendaires. Des fois, ça m'est déjà arrivé. Mais alors là, du premier coup. Mais c'est une blague. Ok. Eh bien, écoutez, on a réussi à le capturer. Je suis agréablement surpris. Donc, le Monasting Terra, son corps composé d'énergie, est une coquille vide remplie de sédiments pour une masse impressionnante. Les êtres touchés ne peuvent que guérir à la mort. Il a la compétence partenaire, le scorpion d'acier. C'est en combattant à ses côtés, augmente la défense du joueur. Et si un pal de type électrique est vaincu, le nombre d'objets obtenus augmente également. Ah, ok, ok, ça peut être intéressant, ça, mine de rien, ok. Donc il a l'abattage de niveau 2 et l'extraction de niveau 3. Il lâche également du pétrole brut et des organes d'allumage. Et effectivement, on a eu pas mal d'organes d'allumage ici même. Ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, je suis vraiment... Oh, je vous le dis par toute franchise. Hein, je suis surpris de pouvoir le capturer aussi facilement. Je ne pensais pas. Même avec le... Genre, l'anneau de manipulation, il lui laissait un HP. Sincèrement, hein, je me suis dit, il va avoir un HP. Je vais devoir peut-être balancer, je sais pas, entre 15 et 20 sphères légendaires. Mais pas du tout. Genre là, je suis vraiment surpris. Je sais pas quoi dire. C'est ce que je suis en train de penser, les gars. J'ai pas envie de faire de bêtises, mais tout ce qui est diamant, etc., ils me servent à rien, en fait. Je peux juste les vendre à un marchand. Je peux pas faire de craft ou quoi que ce soit avec. Ah, pour du plastacier, par contre, il va me falloir... Ok, ok. Ok. Ouais, donc en fait, en gros, là, ça va être urgent de faire la pompe à pétrole. C'est ça que vous êtes en train de me dire, hein. Bien sûr que oui. Donc pour ça, il va me falloir des circuits imprimés. Et pour les circuits imprimés, il va me falloir de la polymère et du quartz pur. Donc il m'en faut... ok. Sachant que là, attends, il me manque combien? Il me faut 50 circuits imprimés, donc il m'en manque une trentaine. Sachant qu'il faut 2 de polymère. Et... Ok. Ouais, donc... ok, ok. Donc 2... Vas-y. De toute façon, je vais en faire un chouïa plus. En vrai, de vrai, peut-être pour plus tard. Pourquoi j'irai pas la faire? Attendez, je pense que je vais faire un tour dans la grotte. Juste avant, j'ai quand même récupéré ce truc qu'il y avait là-bas. Non, mais je pense que j'ai dû passer à côté, c'est pas possible. C'est pas par là que j'avais trouvé les minerais. Il me semblait que j'étais passé par là à un moment donné, que j'avais fait le tour et là j'en avais trop. Ah, peut-être que je me trompe. Ouais, je sais plus. Bon, là déjà il y a une grotte ici. Marqueur. Tac, tac, tac. Comment on fait? Ah oui, c'est bon. Et on va mettre. Ouais, voilà, avec ça. Ok, let's go. Niveau 45. Bah, c'est bon. Je suis niveau 50. Ça passe, non? Je suis jamais rentré dedans, je crois. Je sais pas souvenir. Ah oui, d'accord. Salut la compagnie. Ah, justement, attends, je vais tester un truc. Ah, je peux. Des reptiles cristal. Je l'avais capturé, lui. Attendez. Est-ce que j'avais pas testé que j'avais... si, c'est ça. Et je m'étais fail. Ouais, c'est ça. On va mettre l'anneau. Je
Je pense pas que ça puisse toucher, hein. Ouais, je m'en doutais, j'ai fait nimp, ça passait pas. On va faire ça. Oh non, ça tapait dans les machins, non? Ouais, dans les trucs. Aïe, aïe, aïe. Attendez, on va reculer un peu. Allez, let's go. Il a contré mon attaque, j'en reviens pas. Bien joué ça. Ok. Allez, c'est parti, let's go, on avance. C'est dans la boîte. Donc Reptiro Crystal. On va regarder un petit peu ce qu'ils nous disent par rapport à ce pal là. Donc un sang à très basse température alimente son corps. Si de la chaleur est appliquée dessus trop rapidement, son sang froid s'évapore pour produire une énorme explosion de vapeur. Il a la compétence partenaire qui s'appelle donc Bête Briseuse d'Iceberg. Peut être utilisé comme une monture pour se déplacer. Le minerai se brise plus facilement lorsqu'il est monté. L'extraction de niveau 3, la réfrigération de niveau 3. Il lâche également des organes de congélation. Et ça, ok, c'est plutôt intéressant. Mais au moins, on l'a capturé, c'est ce qui manquait un petit peu dans mon équipe à l'heure actuelle. C'est vrai que lui, je l'avais pas capturé. Alors là, il y en a à droite, là-bas, ok. En face, c'est là-bas. C'est quoi ça, là-bas? Je l'avais capturé, lui, ou pas? Alors, je crois que ça s'appelle Marais, je crois. M-A-R-A-I-T-H, quelque chose comme ça. On perd tellement de temps. Ok, c'est bon. Ouais, effectivement, j'avais déjà capturé. Après, j'ai pas capturé à 12 sur 12, mais je l'ai capturé, quoi. Un Lunari. Lunari, les amis, je sais pas si je l'avais capturé, hein. Lunari. Toc. On perd tellement de temps. Oui, c'est là. Ouais, déjà capturé. Il y en a encore un ici. Juste pour l'XP, vas-y, je vais le faire. What? Mais j'ai visé vers là, pourquoi ça fait demi-tour? What? Quoi cette connerie là? Trop bizarre le... Ouais, trop bizarre. Bien joué ça. On va se mettre dessus. Voilà. Je vais attendre qu'il lance son attaque. J'ai peur qu'il me compte la mienne, non? Ok, bien joué. Vas-y, là, je lance la mienne. Je pense pas que ça passe avec une giga. Ok, bon, ça passe direct, parfait ça. Bon, ça me va. Ça me va même très bien. Des petits ragoûts. Hop là, c'est dans la boîte. Oh, ça c'est pas mal ça. Ok, des petits plans, des trucs comme ça. Par contre, les circuits c'est moi, mais je crois que je les ai oubliés de. Ouais, j'ai oublié de les poser. Après le reste, les champignons, tout ça, ça m'intéresse pas. Je m'en fiche un petit peu, je vous cache pas. Allez, on va passer par là. Donc
Donc là, à gauche, c'est fait. Maintenant, on fait en face, donc c'est-à-dire au milieu. Juste faire attention quand même de pas aller dans le coin où c'est la fin, quoi. Ah, après, ça fait gauche-droite. Par à gauche. C'est juste un coin comme ça. Ah, ça a l'air d'être grand, hein. Mais c'est super grand là. Il y a un truc là-bas. Focus que moi, hein. Il est en mode vénère le. Je te fais confiance. Hop là! Allez, on s'en va. On a tout ce qu'il faut. Oh, il m'a lâché des circuits imprimés, attendez. Ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu fais, mais viens ici! Oh, bon sang, bonsoir. Je l'ai enlevé le... J'ai pas compris. Je l'avais enlevé le... Oh, ça l'a pas tué. Ok. Pas chercher à comprendre, hein. Bizarre. Il a fait un carnage. Il les a massacrés. Bien joué ça. Ça me fait un petit peu d'XP, je fais exprès, hein, vous inquiétez pas. Pas dommage. Bien joué. Allez, allez. Je me demande si si le boss que je vous parle depuis tout à l'heure là, qui est dans la tour du machin là, de la tour des gènes, je sais pas quoi. Est-ce que je devrais pas utiliser un fusil d'assaut, parce que la dernière fois j'ai testé un petit peu avec le pistolet, tu vois, genre en mode un petit peu troll, tu vois. Bon, le pistolet c'est pas ouf, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense qu'il faut soit le fusil à coup par coup, soit un fusil d'assaut en vrai de vrai. Et je pense que le fusil d'assaut, ça serait le bon compromis. Par contre, les balles, ça part extrêmement vite. Hein. D'ailleurs, là, il y a un Alfridon. Ah ouais, non mais ça, il va falloir vraiment que je le fasse. Juste, on va faire demi-tour parce que j'ai loupé, du coup, les trucs là-bas. Je vous rappelle qu'il y avait encore une salle à droite que j'ai pas faite. Et du coup, c'est pas la fin, celle de droite. La fin, c'est celle qui est en face là-bas, là. Quand vous faites le boss, en général, la porte elle est juste à côté, vous pouvez partir. Il y a un truc là-bas. Hein. Ouais, c'est des sortes de
Ok. Et vas-y, let's go. Affronte-moi tout ça, mon coco. Vas-y, fais-toi plaisir. Parfait. Je vais peut-être récupérer la Lotus quand même. Je sais pas ce qu'il fait. Bien joué ça. On va passer par là du coup. Je vais récupérer ça là-bas. Donc là c'est un cul-de-sac, hein, on est bien d'accord. Ok. D'ailleurs au passage, quand on aura fini Palworld et que on finit par la suite Valheim, je pense qu'on partirait peut-être sur du Ark. Faire les autres maps tranquillement. Je compte sur mon menacing, mais je sais pas trop ce qu'il fait, je vous cache pas. J'ai l'impression qu'il est bloqué là, non? Je crois qu'il était bloqué. Hein. Ok, ça c'est parfait. On a capturé, c'est cool. Tac 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 tac, je regarde un petit peu ce que j'ai. Ok ok ok. Donc les circuits imprimés c'est bien ça, c'est en tuant les PNJ avec les armes à feu de type la tour sur les gènes je sais pas quoi qui donnent des circuits imprimés des fois. Ça c'est pas mal mine de rien. Si j'avais su, je pense que je les aurais farmés en les tuant. Je serais allé dans le biome à chaque fois, je les aurais tués, j'aurais ramassé un petit peu les circuits et au moins ça m'aurait permis d'économiser un petit peu des ressources. C'est pas grave, mais au moins c'est bon à savoir. Il y a quelques astuces comme ça par-ci par-là, tu vois, à prendre en compte. À chaque fois, je me fais avoir. Pour ceux qui comprennent pas, en gros, quand tu utilises le grappin, si tu touches la flotte, ça coupe le grappin. Et je viens de le faire. Enfin, ça fait deux fois d'affilée que je viens de le faire. Jamais 203, comme on dit. Ok, bon. Ben, c'est parti, let's go. Je vais essayer de le capturer. Oh, j'ai lancé tout à côté pratiquement. Mais attendez, ça me dit un truc, je l'avais pas capturé lui. Je crois que j'avais soit j'avais tenté de le capturer et que je m'étais fail, je crois qu'il y avait un délire. Jouer ça. Oh les dégâts qu'il met, il est monstrueux. J'adore parce qu'il essaye de m'attaquer, sauf que il se fait absolument focus par mon menacing terra quoi. Ah bah non. Je savais que t'allais faire ça mon coco. Ouf. Oh! Oh la vache! Oh la violence! Oh, tu l'as fait tomber jusque là quoi! Je suis bloqué! Ah, mais il l'a mis KO direct! Hein. Les gars, c'était un petit peu compliqué d'annuler le truc en question. La bague anti-dragon! Ok. Alors attends. Wow! C'est quoi ce bordel? What the fuck? Ah, ça m'a propulsé! Je crois que c'est la glace, non? Vache. Donc là, j'ai une bague anti-dragon en accessoire résistant les dégâts du type dragon. Ok, donc il y a des bagues anti-dragon. J'avais pas capté ça. J'ai pas fait attention jusqu'à présent, mais ok. Intéressant. Oh, le vol plané que j'ai fait! Vous avez vu ça ou quoi? J'ai fait un demi-tour sur moi-même, hein. Ah c'est vraiment dommage d'avoir un mal de tête quand je fais un live quoi. Là j'ai vraiment un mal de tête mais encore ça va tu vois, je peux encore tenir, vous inquiétez pas.
Là, j'ai des éclats de Bélanoir, Libéraux, et des éclats de Plazamut, excusez-moi, Ryu. Ok. J'ai encore un plan, mais cette fois-ci un plan de lance-missile. Ça, je crois que les éclats, il y a un truc à faire avec, non? Un fragment de tablette, machin. Je crois qu'il faut les rassembler et... Par contre, je sais pas comment on fait. Je vous cache pas que je... Je sais pas. Je n'ai aucun souvenir, je me rappelle pas. Je vais pas vous mentir à dire oui machin, non, je sais plus. Ok. Et c'est bien ce que je pensais. Hors camp, donc il faut bien installer le gestionnaire de boîte à pales pour avoir le rayon, qui est considéré comme un camp, et après tu construis dedans. Et le problème c'est que je suis sur la version vanilla et je peux construire actuellement que 3 camps. Et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un camp principal où je m'amuse à faire de la production. J'ai un deuxième camp qui me permet d'avoir le minerai de métal. Et le troisième camp que je comptais l'utiliser comme truc de production et d'élevage. Truc de production et d'élevage, est-ce que justement je m'amuserais pas à faire un camp là pour par la suite poser mes trucs à pétrole et je pourrais faire les deux trucs en même temps? Sachant qu'un truc d'élevage et de... Ouais, je sais pas. Eh bien écoutez, moi sur ce, les amis, je vais vous laisser là-dessus. C'était un live très intéressant. On a plutôt bien avancé sur les objectifs qu'on doit accomplir pour le prochain objectif ultime. Pour avancer la série correctement. En tout cas, merci à ceux qui sont passés durant le live. Ça fait extrêmement plaisir. Encore une nouvelle fois, merci à ceux qui ont mis des petits pouces bleus. Ça fait extrêmement plaisir. Ça met le contenu en avant, que ce soit les vidéos, le live, etc. Et le référencement. Merci à vous, ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis... À la prochaine. Allez, bye bye tout le monde, ciao ciao.